bonjour à tous. Comme prévu, voici une petite vidéo. Bon, là, le chat est devenu fou. Pour vous présenter tous les diamond painting que j'ai fait. Donc, je pense que certains, ça va être un peu compliqué parce qu'ils sont très grands. Mais on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, c'est hyper long en plus. Donc, hop. Donc là, c'est les petits modèles que j'ai mis en fait sur ce cahier. Donc là, c'est un des tout premiers papillons. Celui-là, je l'avais acheté sur Wish. Après, bon, c'est vraiment des petits modèles. Celui-là, je ne sais plus, c'est du 30 par 30. C'était un des tout premiers. C'est pas mon préféré. Ensuite, on va se faire comme ça. C'est pas pratique. Hein. Donc, il y avait ce modèle-là aussi. Je crois que celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. C'est un des tout premiers aussi. Moi, je préfère vraiment les diamants ronds. Je trouve que c'est vachement plus simple. Et le rendu est beaucoup plus joli. Ensuite, alors, celui-ci, c'était la grosse arnaque. Parce que sur le dessin, vous aviez une fée. Vous aviez plein de trucs. Et au final, ben, on voit rien du tout. Donc, celui-là, j'étais super déçue. Quand je l'ai acheté. Ça aussi, ça fait partie de mes tout premiers. Bon, c'est un basique, celui-là, on le voit assez souvent. Toujours là, avec des diamants ronds. Donc, et celui-là, je crois que c'est du 30 par 30 aussi, sûrement. Ma petite Lilou, pour ceux qui la connaissent. J'avais fait celui-ci. Celui-ci, c'est les diamants carrés. Et j'avoue que les diamants carrés, c'est un peu plus galère à faire. C'est pas mes préférés, je trouve que les ronds sont quand même beaucoup plus simples. Hop. Donc là, vous avez l'éléphant. Alors avec la lumière, on voit pas trop. Le petit chat, c'est un des premiers aussi que j'ai fait avec les diamants carrés. Je trouve que ça s'aligne beaucoup moins. Alors là, on attaque ceux d'action, je trouve superbe. Alors, vous avez celui-ci et l'avantage de ceux de chez Action. Là, on ne voit pas trop bien la lumière, mais vous en avez des diamants métallisés. Donc ça donne un rendu super sympa. Vous avez celui-ci aussi qui vient de chez Action. En plus, le plus cher était 4,90€. Mais là, j'ai épuisé tout le stock. J'avais celui-ci aussi. Celui-ci, je crois que ça vient de Victor Yannou qui m'en avait envoyé quelques-uns pour tester. Celui-ci aussi qui est super joli. Celui-là vient de chez Action. Et en petit modèle, après, il me restait celui-ci. Alors après, c'est les modèles beaucoup plus grands. Donc, c'est ceux de chez Action également. Donc, le dernier que j'ai fini, c'est celui-ci. Et vous voyez, hop, toute la partie jaune, en fait, c'est tous des petits diamants métallisés. Franchement, les lots de chez Action, ils sont vraiment, vraiment sympas. J'avais celui-ci aussi. Et là, vous voyez, vous avez des gros diamants. Chez Action, c'est tous des ronds. Vous n'avez pas de carré, mais ils sont assez sympas, je trouve. Il y a celui-ci aussi qui a un super joli rendu. Donc, vous voyez, les dessins sont super bien finis. J'avais un petit doute au vu du prix, mais franchement, topissime. Celui-ci aussi de chez Action. Assez sympa. Bon, j'ai les notifications, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez les bip-bip. Ensuite, j'avais celui-ci, je ne sais pas, c'est ma maman qui m'avait filé. C'est les petits chats. Mais je pense qu'ils viennent de chez Action aussi, vu la taille. Ensuite, vous avez le paysage aussi avec le métallisé. Vous voyez, le rendu, il est juste topissime. Et encore, là, vous n'avez pas les reflets avec les métallisés. Celui-ci aussi, je crois qu'il vient de chez Victor Yamuna. Celui-là, il est juste magnifique. Hop, celui-ci aussi, j'adore les paysages comme ça. Celui-là, j'avais acheté, il me semble, chez Amazon. Et le plus grand, et le Victorian Boom, il me semble aussi, c'est celui-ci que j'adore. Donc, ça en fait un petit paquet, parce qu'après, le dernier, c'est les peintures sur numéro. Là, je vous montre aussi que j'ai terminé. Donc, c'est pas tout à fait le même style, mais c'est hyper sympa. Donc, voilà, tous les diamond painting. Là, je suis en train d'en terminer un. Hein. Et après, je testerai ceux que j'ai achetés chez Shane. Donc, voilà pour ma collection de diamond painting. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez un tuto. Bon, après, c'est pas compliqué. Vous pouvez voir
Vous avez une toile plastifiée collante. Vous avez des petits numéros. Vous collez le diamond painting qui correspond. Mais je vous ferai peut-être une petite vidéo tuto pour celles qui veulent découvrir ce que c'est exactement le diamond painting. Donc, après tout ça, je vous fais un gros bisou et à très bientôt.